Yop, tout le monde, on se retrouve pour le dernier épisode du Final Four. On va pronostiquer le vainqueur potentiel de cette Overwatch League 2020, toujours accompagné des experts Hammerkick, Suriplay, Adibou et Alblest. On va vous donner chacun notre petit favori pour la compétition. C'est tout de suite, on démarre avec Alblest. Eh bien, encore une fois, je mettrai Philly. J'ai très envie de voir Philly aller jusqu'au bout. Je trouve qu'ils ont fait une saison qui était exceptionnel, je trouve qu'ils le méritent, je trouve qu'ils ont le roster, la force de frappe, la flexibilité et la faculté d'adaptation aussi pour aller chercher le titre de champion. Donc c'est peut-être un petit peu, on va dire, l'arc de la rédemption pour eux aussi, parce qu'on sait qu'ils sont tombés face à SF, donc là où on s'attendait peut-être à voir justement un peu un avant-goût de ce que ça pourrait donner en finale, si tant est que les équipes NA sont en effet meilleures que ce qu'on a pu voir dans la région APAC. Mais pour moi, si Philly devait affronter à nouveau San Francisco Shock, ben, je donnerais Philly vainqueur. Et je pense que c'est eux qui iront chercher le titre cette année. Alors, encore une fois, c'est tellement dur à dire. Je pense que ça va être ultra accroché SF et Shanghai Dragons, mais pour les mêmes raisons finalement que j'ai citées contre Philly. Je pense que c'est Shanghai qui va soulever la coupe. Je pense que Shanghai va peut-être déclarer vainqueur de cette Overwatch League saison 2020 parce que ce petit grain de folie en plus, même si San Francisco Shock va rester une équipe très solide. En fait, c'est simple, je pense qu'il y a juste peut-être Séoul qui est un poil en dessous. Sinon, les trois équipes se valent, mais il y a le petit truc en plus du côté de Shanghai Dragons qui aime bien jouer aussi sa propre méta où c'est plus carré. Genre vraiment la Sombra Tresseur en dive, t'as pas envie de l'affronter du côté des Shanghai Dragons. Donc je vais rester là-dessus. Et puis en plus de ça, c'est la belle histoire d'une équipe qui était au fond du gouffre, qui a su se renouveler, se recréer, renaître de ses cendres finalement, et qui s'est construit un projet après la catastrophe de la saison inaugurale. Donc je trouve qu'en plus de ça, pour l'histoire, ça sera un magnifique clin d'œil. Et pour les performances qu'il a cette année, il faut bien le souligner, hein, sont juste magnifiques et sublimes. Donc ouais, pour l'arc de la rédemption des Shanghai Dragons, je les mettrai vainqueurs du titre. De mon côté, je mettrai une pièce sur San Francisco Shock, les anciens vainqueurs de l'Overwatch League. C'est une équipe qui s'est renforcée tout au long de l'année, mais aussi c'est une équipe qui m'a surpris, notamment lors de ses playoffs contre Washington Justice. Ils étaient menés 2-0 dans ce match. Ils sont rentrés dans les vestiaires. Il y a eu quelques mots du coach, quelques changements opérés à la line-up. Et après, on a vu des San Francisco Shock complètement métamorphosés qui ont déroulé face au cheese des Washington Justice. Et quand je vois voilà cet apport stratégique qu'il y a dans le coaching staff et cette vision de jeu, je ne peux que mettre une pièce sur l'équipe de la baie. Shanghai. Tout simplement Shanghai. Pour moi, c'est l'équipe qui maîtrise le mieux, qui est le plus dominant dans une région qui n'est pas forcément simple. Même si des gens disent qu'en Asie, le niveau est plus bas qu'en NA, je ne suis pas d'accord. Pour moi, les matchs sont beaucoup plus intéressants en Asie et ont été plus propres que la majorité des équipes en NA. Donc, je pense que Shanghai, s'ils sont premiers de l'Asie, c'est pas pour rien. Je pense qu'ils battent Séoul sans difficulté s'ils les réaffrontent. Et je pense que Philly, ils les battent également. Ce sera serré, mais ils les battent. Et Shock, pour moi, c'est pareil. Shanghai, sur un point individuel, ils sont au-dessus. Shock manque d'un genre de Sombra efficace. Ants est bon dessus, mais c'est pas un Issu ou un Leap, surtout. Et derrière, Shanghai, ils peuvent tout jouer. Philly ont des petites lacunes avec la hache, même s'ils ont une excellente hache. Contre Shock, ils ont eu du mal. Shock, du coup, ont des lacunes un petit peu sur la Sombra où ça n'a pas été incroyable. Du coup, on est là, en fait. Shanghai est bon partout, c'est tout. Shanghai vainqueur. Ah bah mon pronostic sur le vainqueur, il est tout simple, c'est Shanghai Dragons. Je pense qu'ils ont les capacités d'aller loin. Alors attention bien sûr au piège Séoul Dynasty, parce qu'on l'a vu, le 3-2, il était quand même assez serré là durant ses playoffs et la finale de Winner Bracket Asie. Mais j'ai bien envie d'y croire et j'ai envie surtout de voir cette belle histoire se réaliser. From 0-40, tout champion de Overwatch League 2020. Et voilà, c'est la fin du format de ce Final Four. Les phases finales démarrent dès aujourd'hui. Vous l'aurez compris, ça risque d'être très serré. Même les analystes n'arrivent pas à se mettre d'accord sur le favori de cette compétition. Donc pour savoir quel va en être le dénouement, vous ne pouvez qu'aller suivre ça sur YouTube. De mon côté, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je remercie aussi les invités de ce format. Si vous voulez
plus de contenu sur Overwatch. N'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, portez-vous bien. Ciao tout le monde.